Tu vois, je t'avais dit que c'était terrible de laisser cette racaille de pureté absolue s'installer sur notre territoire. Ouais, mais on n'avait pas le choix. Alors faut y faire. Et puis ils payent le loyer comme tout le monde. Alors qu'est-ce que ça peut te foutre? Arrête! Ces connards ont débarqué, ils ont promis qu'on deviendrait riches et célèbres si on se battait pour eux. Mais tout ce que je vois, c'est nos potes qui crèvent l'un après l'autre. Et juste jaloux parce qu'ils t'ont jamais pris. Vu comment ils ont merdé leur opération à Milwaukee Junction, pour moi, ils auraient dû faire péter toute cette usine avec tous ces cons qui adorent les robots. Sanders, il a une grande gueule. Alors pourquoi tu nous l'as présenté? Sortir le monstre en public. Je préfère avoir un peu d'intimité. Ah bon? Faudrait pas que tu te fasses choper la braguette ouverte. Demi-tour le câblé, ça te concerne pas.
Je peux vous aider ? En fait, d'après une de nos connaissances communes, c'est moi qui peux vous aider. On vous a suivi ? Je suis un professionnel. Je connais mon métier. Alors épargnez-moi l'espionnage pour les nuls. Bon, c'est vrai que vous avez le costume, mais est-ce que vous savez jouer ? Pourquoi avez-vous besoin de moi ? Droit au but. Une qualité trop rare de nos jours. Dites-moi, vous connaissez les gangs locaux ? Je sais ce que j'ai besoin de savoir. Parfait. Alors je vous préviens tout de suite que ce n'est pas une mission très propre. Mais vos efforts seront récompensés en conséquence. Un de mes associés laissera un paquet pour vous dans une ruelle sur Grand River Road. Vous irez le récupérer et vous vous en servirez pour régler un de mes problèmes. Définitivement. Qui est la cible ? Quelqu'un que personne ne regrettera, je vous le garantis. Un membre d'un gang qui s'appelle Double T. Il traîne dans son appartement près de Earl's Court. Il est peu probable qu'il soit seul et tout aussi peu probable que ses invités se montrent accueillants. Vous ne pouvez pas le rater. Il a des augmentations apparentes et plutôt disgracieuses sur son visage et ses bras. Vous êtes en train de me dire que vous vous donnez tout ce mal juste pour éliminer un flingueur ? Non, ce serait un peu exagéré. Éliminer la cible avec l'arme qui vous sera fournie constitue la première partie de votre mission. Quand vous vous serez occupé de Double Team, je veux que vous pénétriez discrètement dans Der Electro et que vous placiez l'arme du crime dans la cage d'armes des flambeurs. Tuer un membre des flingueurs de Motor City, puis placer l'arme du crime dans la cage d'armes de leur gang rival. Vous voulez déclencher une guerre des gangs ? J'espère bien. C'est quoi votre plan ? Vous passez un coup de fil pour dénoncer un des flingueurs ? Les flambeurs lancent des représailles et ainsi de suite jusqu'à l'élimination complète ? À peu près. Et les innocents qui vont trinquer ? Ces tocards ne sont pas des tireurs d'élite, et c'est plutôt difficile de viser juste depuis la fenêtre d'une voiture en mouvement. Qu'est-ce qui peut justifier un tel risque ? Je ne vais pas vous exposer mes raisons. Je vous engage pour faire un travail. Faites-le. Je crois que c'est tout pour le moment.
Tous les produits à vendre sont sur l'ordinateur. Tu cherches quoi ? Je suis un ami de Greg Thorpe. C'est vrai ? Alors je te fais la remise spéciale Intello. Fini. Je leur trouve la pouesse. Ça suffit. Tire-toi de là bien gentiment et on te fera pas de mal. Te mêle pas de ça, le câblé ! Dégage ! Ne mêle pas de ça, le câblé. Dégage. Entendu ? Avance pas, connard ! Dégage ! Putain de merde ! Je condamne fermement.